Et salut à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode 4 du mode Vers une légende sur PES 2017. Aujourd'hui, un match face à Nancy et nous sommes troisième du classement après je crois que c'est la 11e journée, un truc comme ça, 11 ou 12, je sais plus. Mais en tout cas, nous sommes troisième, voilà, ce début de championnat. Là, on joue contre un promu. L'AS Nancy Lorraine, il va falloir gagner, tout simplement. Pour enchaîner les victoires, on a fait 3 victoires dans le match précédent. Une victoire 4-0 face à Toulouse, une victoire 2-0 face à Rennes et 2-0 également face à Bienvenue, Nice. merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. À l'affiche aujourd'hui, l'AS Nancy Lorraine contre Dijon. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un Allez. vrai amoureux du football, Darren Tulette. Oui, salut, salut Grégoire. On attend beaucoup de ce match, espérons qu'il tienne toutes ses promesses. Il glisse le ballon en profondeur. Oui, ça pouvait être dangereux, il Dommage. fallait impérativement l'arrêter. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Bien joué, ça! Un grand dégagement le plus loin Ah, possible. dommage. Long Allez, on ballon joue dans en le sens noir du pour une jeu. fois. Doréron, bien servi. Il peut conclure! Ah! Et le bon dégagement. J'ai pas réussi à transmettre ou à C'était bien passer. défendu, il fallait vraiment être solide. La surface était surpeuplée pour le coup. Oh! Impossible de déclencher un tir correct. Corner? Premier corner Ouais, dans cette rencontre. corner. Oh, la Il a préféré jouer claquette. la sécurité. En retrait pour repartir proprement. L'AS Nancy Lorraine qui s'est un peu mordu les doigts après les choix de son entraîneur, ça lui a coûté une défaite lors de la dernière journée. Oui, et j'ai l'impression que les joueurs n'ont pas bien compris ce qu'ils Ah! cherchaient à faire. Et Belle dans ce parade. cas-là, eh bien ça se finit rarement autrement que par une défaite. Il centre directement. Il peut frapper. Oh, Oui, l'intervention belle parade magnifique! encore. Et l'arrêt magnifique! Quelle classe! C'était un arrêt extraordinaire! Deux parades là du gardien nancéen. La passe est précise. Attention! Ouah! Ça s'est joué à rien! On Oh frappe là, pas de beaucoup, on bol! Ça frappe passe beaucoup, juste à mais. côté! C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe! Eh oui, il a Il était raison, pas loin de faire Darren. trembler les filets, encore une fois. C'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer. C'est le talent à l'état pur du football moderne. C'est centré dans la boîte. Ah, j'aurais dû la remettre directement. Muratori. Mandane. Le Aïe, ballon aïe, aïe. sort en touche. La Coup de mi-temps, sifflet, fin de première 0-0. mi-temps. C'est toujours bon pour le moral de terminer la première mi-temps aussi fort. Les joueurs vont devoir revenir maintenant avec le même état d'esprit et continuer sous ce. Aucun but marqué d'un côté comme de l'autre. 0-0 à la mi-temps. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Ben oui. Oh non, il n'y a rien. Monsieur Non, l'arbitre, c'est un il coup franc. n'y a rien du tout. Muratori qui tente un centre lointain. Allemand, il cherche son coéquipier. Et ils essaient de repartir de derrière.
Il écarte, il joue sur l'aile. Ballon intercepté, ça soulage la défense. Icardia. Balmont qui est récompensé de son pressing. Aïe, aïe. Toujours 0-0, le match reste ouvert. Ah non, je vais sortir là. Là, je vais sortir. Je sens. Voilà. Maintenant, il va falloir faire attention de pas prendre un but, les gars. Il est passé. Son échauffement se rapproche du terrain, un changement va intervenir sous peu. Belle passe lobée. Il manquait pas grand chose là. Ça aurait pu faire, mais je sais pas passer loin. Qui a été très actif sur le marché des transferts, non? Le Dijon FCO qui pourrait bien voir sa série de 3 victoires s'achever aujourd'hui. Bonne intervention. Il centre de loin. On est dans les dernières secondes des arrêts de jeu d'Aren. Une très longue passe. Allez, pas de but, pas de but. Voilà, le match nul. Final. C'est fini. Ah, les défenses ont été bonnes, les gardiens aussi. Et les attaquants n'ont pas eu de réussite aujourd'hui. 0-0, match nul. Bah, le constat est clair, les deux équipes se sont neutralisées. Mais en ce qui me concerne, je ne me suis pas ennuyé. Allez, le match nul pour ce premier match. Dommage, on n'a pas poursuivi notre série de victoires. Toujours qu'un match perdu, donc ça c'est bien. Et là c'est Monaco, donc ça va être plus compliqué. Il y a Falcao en face et on est sur le banc. Et Valère Germain aussi. Falcao sur le banc. Et c'est Johnny qui est titulaire à ma place. Spectateurs du monde entier, on va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Et nous retrouvons donc Dijon contre l'AS Monaco. Bonjour et merci de nous retrouver, Darren Tulette et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Allez les gars, prenez pas de but surtout, prenez pas de but. Cette rencontre. Allez Darren, un petit pronostic. Qui sera l'homme du match? Peut-être bien João Moutinho. C'est un vrai meneur de jeu à l'ancienne, le chef d'orchestre de son équipe. Il distribue parfaitement les ballons. En plus, il n'a pas peur de défendre, bien au contraire. C'est un joueur hyper complet. Oui, je suis plutôt d'accord. Jean. Sidy B. Allez, on va accélérer pour pas pour vite jouer. Oh, très bon ballon. Ouh, corner. Non, ça manque d'application. C'était dangereux quand même. C'est bien fait ça. Oh, la limite de la surface de réparation. Oh. Il y avait faute là. Il n'y a pas grand chose à redire. Je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver oh dans cette là situation là. Et il doit s'en vouloir, même si la faute était presque inévitable. Oh, ça passe et il permet aussi de prendre l'avantage.
Et à aucun moment il ne donne l'impression d'avoir douté. Il savait ce qu'il allait faire depuis le départ. C'est cruel comme faute, c'est cruel. Jean Moutinho qui inscrit là son premier but de la saison. C'est très cruel. Le compteur est débloqué. Il met le score, maintenant il faut pas laisser l'adversaire. Oui. Oh Tavares. Oh oui, but. Le but. C'est tout simplement incroyable. Magic. Il est incroyable. Julio Tavares. C'était une volée extraordinaire d'équilibre. C'est sans doute l'un des gestes les plus compliqués. Le centre d'Amalfitano. Oh oui, magnifique. Et c'est reparti, les deux équipes sont de nouveau à égalité. Et oui, ils ont manqué de concentration sur ce coup-là, ils pensaient encore à leur but. Et maintenant, tout est à refaire. Attention! Ça s'est joué à rien. Ouais. Ça passera sur le côté. Et la défense qui s'offre un répit. Dans le coup de la défense. Aïe aïe. Bel arrêt de René. Et l'arrêt est magnifique. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. La défense bien présente. Oula. Quelques millimètres. Il y a mis du cœur, mais il était loin quand même. Et marqué à cette distance, ça restera. Un tir pour Dijon, un but quoi. Tirard. Il choisit là-bas sur l'aile. On est toujours invaincu, hein. Je sais pas combien de matchs là, mais on est invaincu au moins 5 matchs. Donc ça serait bien qu'on le reste. Allez, Tavares, Dioni. Ah dommage. Et la mi-temps. Et tout reste à jouer en seconde période. Les deux équipes vont rejoindre les vestiaires sur ce score un partout. Est-ce qu'on rentre? Eh oui, on est rentré. C'est reparti, match nul pour l'instant. Il essaye un long ballon. Allez les gars, allez. Torrejón. Oui, oui. La faute de qui là? C'est moi qui fais la faute? C'est sur moi la faute. Oh non, putain. Le gardien loin devant. C'est involontaire cette faute là, monsieur l'arbitre. Il choisit la profondeur. Cette défense d'Arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Bien dit. Oui, bien ça. Allez, de l'espace un peu. Il tente de la jouer dans l'espace. Il est à distance de tir. Ah! Ça doit faire but! C'est repoussé! Ouais, ils frappent encore! Ils ont une autre chance! Oui! Et voilà! Situation complètement inversée! Le gardien ne pouvait rien faire là-dessus, n'a rien à se reprocher! Belle première arrêt! Il est déjà trop tard! Contrer une première fois et la deuxième. Il est à 3 buts dans ce championnat. Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain, un changement va intervenir sous peu. Troisième but. Et voici avec un but d'avance. Ce n'est jamais facile de résister à une équipe qui joue sans va-tout. Et pourtant, ils vont devoir tenir. Un long ballon vers l'avant. Oh, bel arrêt. Ça manque de finition. Ah, dommage. Ça, j'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. J'espère aussi. La faute. Non. Oh là là.
Et bonne intervention de la défense. Dans le dos de la défense. Bien donné, plein axe. Il n'y a rien. Le Dijon FCO qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. Allez. Ouverture vers le poteau de corner. Doléron reçoit le ballon. Il file au but. Voilà, il a bien fait de jouer la sécurité. Et voilà. La victoire. Face à Monaco. Génial à vivre et à commenter. Ils étaient menés, ils se sont arrachés tout au long de la rencontre pour complètement renverser la vapeur. C'était magnifique à vivre. Comment un tel retournement de situation est-il possible? J'aimerais bien avoir votre sentiment. Et je suis homme du match. Quel retour et quelle surprise surtout. La victoire face à Monaco, celle-là elle est importante. On est deuxième à un point de Paris quoi. C'est juste hallucinant ce qui se passe. Trois buts, trois passes décisives. Donc la 13e journée de Ligue 1 face à Bastia. Et on est titulaire. Au cours d'un match serré, Torreón a marqué contre le cours du jeu pour sceller la victoire pour Dijon. Torreón nous a livré ses impressions après la rencontre. J'ai bel et bien marqué, mais ça aurait été impossible sans mes coéquipiers. Ça n'est jamais agréable de repartir bredouille, mais nous réagirons au prochain match. Allez, Bastia, faut enchaîner. Tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. À l'affiche aujourd'hui, le Sporting Club Bastia contre Dijon. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette. Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi. Allez, il faut récupérer le ballon là, direct. Bastia sur le côté. Ce sera 6 mètres pour le gardien. Sortie de but. Dijon FCO qui pourrait bien enchaîner aujourd'hui un sixième match sans défaite à l'extérieur. Voilà, sixième match sans défaite à l'extérieur en 12 journées, c'est-à-dire on n'a pas perdu à l'extérieur. C'est puissant. Oui, elle. Bien ça. Bien. C'est bien donné. Bien. Allez. Et c'est dangereux. Ah. C'est bien fait ça. Oh l'inspiration. Wouh. Sauvé par le poteau. Wouh, la frappe de Balmont. Un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Double poteau. Doléron, bien servi. Et ça fait but. Il est beau. La frappe enroulée de Torres. Très très loin, il n'a pas eu peur. Oui, il était concentré sur son tir, les yeux rivés sur le ballon. Il a ouais, magnifique. Magnifique, plus celui-là. Rien n'existait autour de lui. Doléron, qui compte maintenant 4 buts dans ce championnat. Et ça fait donc 1-0. C'est fait, ils ont ouvert le score, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Le Sporting Club Bastia est tout simplement la pire défense du championnat. C'est triste à dire. Le Sporting Club Bastia, qui s'est un peu mordu les doigts après les choix de son entraîneur, ça lui a coûté une défaite lors de la dernière journée. En même temps, c'est vrai qu'il a fait des choix discutables. Ah, je sors, dommage. Il glisse le ballon en profondeur. C'est parti. De la tête. Ouh. Le timing était bon, le placement était bon, tout était bon. Le centre était bon.
aussi. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace. Aïe aïe aïe, dommage. Almond, long ballon dans le sens du jeu. Il ne se pose pas de questions. Dijon qui joue très bien, hein, finalement. Un long ballon vers l'avant. Balmont. C'est intercepté. Ah, dommage. Corner. Le premier corner du match. Oh, le joli coup de tête. Il à côté. On se dérobe pour quelques centimètres. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce joueur. Aïe 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 aïe. Il a failli marquer un nouveau but. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il me ressemble beaucoup. El Kaoutari. Touche maintenant. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Il enchaîne les dribbles, il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Allez, la mi-temps qui va être sifflée. Voilà, 1-0 pour Dijon. Il a vraiment trouvé son rythme dans cette partie, ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes et personne n'a peur de tenter sa chance, c'est bien. 1-0, un seul petit but, c'est par les deux équipes. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break. Et ça fait... Oh là là! Oh là là, Elie! Il compte maintenant deux buts d'avance. Wow, magnifique. Alors là, chapeau. On voit trop souvent des joueurs manquer de lucidité après un tel raid. Pas lui. Wow. Deux buts déjà dans ce match. Magnifique. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Le Dijon SCO qui va tenter d'enchaîner après sa courte victoire lors de la dernière journée. Doleron qui semble sur la route d'un magnifique triplé. Quelles sont ses chances? Eh bien, vu ce qu'il a montré jusqu'ici, plutôt bonne, je dirais. Ouah! Je l'ai pas vu arriver. Restez calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Il change complètement de côté. Il a trébuché sur cette intervention. Faute de qui? Pour nous, je pense. Ouais. Le Sporting Club Bastia qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison, Grégoire. J'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans le dos. Une passe en profondeur est si vite arrivée, vous le savez. Il met le pied, ballon oui. Récupéré. Eh ben voilà. Passe. Dans le dos. Le bon dribble. Et le triplé. Trois buts d'avance, l'affaire semble être pliée maintenant. Le triplé de Torres. Qui est passé au travers ou l'attaquant qui est exceptionnel? Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. Oui. Et voilà, il réalise le coup du chapeau. C'est très simple, hein. Il donne le tournis depuis le début de ce match. Il y rend fou. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Il tente de la jouer dans l'espace. La frappe et l'arrêt. Un grand dégagement le plus loin possible. Vers le poteau de corner. Il reçoit le ballon. Un centre. Ouais, bien. Bien défendu le ça. Ballon sort ballon. Touche. Sur la touche, sa préparation est terminée. On dirait qu'il y a du changement dans l'air. Il envoie le ballon dans l'axe. La défense s'en sort là.
Tolleron qui est récompensé de son pressing pour trouver la faille dans la défense. Il est à distance de tir, il file au but. Oh, la main ferme. Du pied droit, ouais, c'est pas très puissant. Oh, ça aurait pu être le quatrième but. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée, ils auraient mérité mieux, c'est dommage. Ça bouge sur les bandes touches, on devrait assister bientôt à un changement. Wow, c'est quoi cette touche? La longue passe, il peut en profiter. Tolleron, qui subit un marquage très serré. Eh ben, il aurait fallu qu'il marque 3 buts pour qu'il réagisse. Chapeau. Mais il était bien présent. Oh, l'intervention pleine de... Non, il y a pas faute. Voilà, intéressant. Sadio. Le jeu repart vers la droite. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il cherche son coéquipier. La longue ouverture sur l'aile. Il est bien placé. Et la défense qui s'offre un répit. Et la victoire 3-0. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Quel match, quel match, quelle démonstration. Ils ont montré tout leur savoir-faire offensif aujourd'hui. Ils étaient vraiment largement au-dessus. Gagner sans prendre de but, c'est la base. Et à la fin, toute l'équipe est happy. L'attaque a réussi et les défenseurs n'ont pas lâché. Vraiment cette frappe voilà de balle. Voilà un vestiaire donc plein de sourires. On n'a pas envie de rendre l'antenne d'arrêt, mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. À très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut. Les amis, merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, eh bien, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Bye tout le monde.